Bonjour, soyez les bienvenus dans Recette Roulette. La recette du jour est... les saucisses lentilles. Pour 5 à 6 personnes, il nous faut 500 g de lentilles vertes du puits, 2 belles saucisses de morteau, un oignon, une carotte, des épices comme de la muscade et des baies roses, quelques cuillères à soupe d'huile d'olive et un bouquet garni. Pour commencer, on va faire cuire les saucisses de morteau. Donc là, j'ai des saucisses de morteau qui sont absolument magnifiques. Et l'idée, c'est qu'on va les faire cuire dans l'eau frémissante pendant 40 minutes. Très important, on ne perce pas la peau avant de la faire cuire dans l'eau frémissante, parce que sinon, tout simplement, on perdrait l'essence même de notre saucisse dans l'eau. Je commence par découper l'oignon et la carotte en petits dés. Je vais faire chauffer l'huile dans ma cocotte pour y faire revenir l'oignon, la carotte et le bouquet garni. J'ajoute quelques baies roses et une pincée de muscade moulue. J'ajoute les saucisses, puis les lentilles et je couvre d'eau. Surtout, je ne sale pas maintenant. Déjà parce que la saucisse qui est fumée va saler naturellement la lentille. Mais c'est aussi que la lentille est une légumineuse et comme toutes les légumineuses, la saler en début de cuisson, ça ne lui permet pas de cuire de façon optimale. Il vaut donc mieux saler en fin de cuisson. Là, j'ai mis à peu près 1 litre d'eau. Ce que je vais faire, c'est que je vais amener à ébullition et ensuite laisser cuire pendant 35 à 40 minutes en regardant fréquemment pour ajouter de l'eau si nécessaire. Je te donne rendez-vous demain à 11h pour une nouvelle recette. Et si tu ne veux pas en rater une miette, un conseil, abonne-toi à la chaîne Marmiton. Choice.